repentez-vous. Abandonnez le péché. Abandonnez la délinquance. Fraîche, frère. Repentez-vous de la délinquance. Repentez-vous du péché. Hey, ta gueule, 12 secondes, là, sur le téléphone, connard. Repentez-vous, mes amis. Repentez-vous de la délinquance, les attentats. Jésus revient. Le roi de rois revient. Oh, il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a que le roi de rois qui sauve. Il n'y a que l'homme de Galilée qui sauve. Et il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus veut te sauver. Le Dieu d'Israël, il veut te sauver. Il veut changer ta vie. Il a changé ma vie, frère. En Jésus-Christ, j'ai l'assurance. Il va passer sur BN. Mon ami. BFN TV. BFN TV. À la religion, mon ami, tu n'as pas l'assurance dans une religion, car la religion, c'est les traditions d'hommes. Les hommes ont créé la religion. Les amis, sortez de la religion. Venez à Jésus-Christ pour aller au ciel. Car le ciel appartient à Jésus-Christ. Le ciel n'appartient pas à une religion quelconque. Les amis, sortez de là. Jésus-Christ, il veut que vous partez au ciel. Et pour aller au ciel, mon ami, il y a un prix à payer. C'est-à-dire, tu dois renoncer aux autres mondes. Tu dois renoncer aux péchés. Même lui, il a capté. Même lui, il a capté qu'il est sans doute. Il faut le filmer. C'est sûr, il faut le filmer, lui. Tu dois régler ta vie si tu es dans le copinage, le concubinage. Car tu es dans le péché sexuel. Filmez-le. Ça s'appelle de la fornication, la publicité. Tu dois abandonner ces choses. Et donner ta vie à Jésus de Nazareth. Il est dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mon ami, tu as beau pratiquer la religion, mais si tu ne pratiques pas le péché, tu n'es pas né de Dieu. Il est dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra, mes amis, le ciel. Personne entrera au ciel sans la sanctification. C'est pour cela que tu dois te sanctifier. Tu dois recevoir le roi de gloire dans ta vie. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois abandonner, mon ami, la cigarette. C'est la fumée de l'enfer. Tu dois abandonner l'adultère. Sors de la religion. La religion te demande, te dit de laisser pousser la barbe, de t'habiller en soutane pour te rapprocher de Dieu. La religion te dit de prier des bougies, et du sel, et de l'eau. Mes amis, Dieu qui n'est pas dans la religion, quitte dans la religion, sors de là, frère. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Dieu, frère. Jésus-Christ, c'est une relation. Il n'a rien à voir avec une religion quelconque. Et Jésus-Christ revient pour d'hommes et femmes qui ont une relation avec lui et non une religion quelconque. Le roi de gloire revient, le Dieu d'Israël revient, frère. Il est dit, mes amis, dans Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé, car Jésus-Christ revient. Ne vis plus dans les ténèbres, ne vis plus dans la masturbation, ne vis plus dans la pornographie, ne vis plus dans l'adultère, ne vis plus, mes amis, dans l'ivronnerie, dans les magouilles. Donne ta vie à Jésus, frère. La religion ne peut rien pour toi. Seul Jésus-Christ sauve. Donne ta vie au roi de rois. Donne ta vie à l'homme de Galilée. Donne ta vie à Dieu. Oh, Jésus veut te sauver. Le Dieu de gloire, il veut te sauver. Le roi de rois veut te sauver. Jésus de Nazareth veut te sauver. Il veut te donner sa vie éternelle. Il veut te donner sa vie éternelle. Il est, mes amis, la résurrection. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie au roi de rois, mon ami. Ne vis plus dans les ténèbres. Sois éclairé. Sois éclairé. Et la lumière de l'éternel, mes amis, la gloire de l'éternel se lève sur toi. Ça, c'est bizarre. Hein. La pornographie, tu es dans les ténèbres. La cigarette, tu es dans les ténèbres. La masturbation, tu es dans les ténèbres. On vous prêche la vérité pour que vous soyez libérés, frère. Moi, Jésus-Christ m'a libéré, mes amis, pour prêcher la vérité, pour que, mes amis, qu'ils puissent aussi libérer, mes amis, d'autres personnes. Et d'autres personnes, mes amis, oh, ils seront libérés. Ils vont être libérés au nom de Jésus, frère. Vous allez connaître la vérité et la vérité, elle va vous affranchir. Et cette vérité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans Jean 14, il est la vérité, frère. Je ne peux que prêcher la vérité. Ça te choque? Ça te choque ce qu'il dit? Je ne peux que vous dire la vérité, frère. Ça te choque ce qu'il dit?
abandonner la cigarette. T'es chrétien, musulman? Moi je suis chrétien, mais en fait ça me choque pas. Mais on a dit qu'à la fumée de la cigarette, c'est la fumée de l'enfer. En fait, regarde, ça me choque pas. Lui, ce qu'il fait. Moi ça me choque pas parce que j'ai vu mes frères bourrés. Regarde, lui, ce qu'il oh, fait. Oh, Jésus-Christ vous appelle à repentance. Ce qu'on appelle là, le fruit de Jésus. Ne cherchez pas les religions. Ne cherchez pas les bâtiments. Lui, ce qu'il regardait, c'est les paroisses. On appelle l'église, mes amis. S'en fout. Ah, mes amis, qu'on appelle le tape, cherchez Jésus-Christ. Cherchez le roi droit. Cherchez le Dieu tout-puissant. Là, donc, c'est. Dans ta vie à Jésus. Il parle. Parce que c'est ce qu'il a reçu. En fait. Dans ta vie à Jésus de Nazareth, frère. Normalement, ça, c'est la mission de tous les chrétiens dans l'annoncer. Jésus revient. Jérémie, mes amis, regardez Jérémie. T'es chrétien? Je suis chrétien, mais je suis pas de la religion. Ils ont dit, venez, voilà. Campez-vous contre Jérémie et tuons-le avec la langue. Ne prenez pas garde à ces discours. C'est la même chose, frère. Ça dérange les gens, parce que nous voilà, ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'église. Pierre faisait ça. Paul faisait ça. Ils disent aux hommes, aux gens, Paul allait dans les villes. L'apôtre Paul, il se leva dans un carrefour. Il annonçait et les gens s'affichaient. Aujourd'hui, les gens des églises s'enferment dans les bâtiments. Ils veulent dire aux gens, venez, complétons-nous contre lui. Pas de comprendre. Parce que je suis en train de prêcher la vérité. Voilà. Je suis en train de dire la vérité. Ils disent complotons-nous contre lui. Mon ami Jésus revient. C'est un frère, hein. On ne peut pas le laisser. Pas l'arrêt de bus, je ne sais pas, j'ai quelque chose. Non, mais je suis en train de prêcher. Comment ça casse ça, c'est pourquoi ça. Oh, dis-donc, c'est le bon fils. Non, je prêche l'évangile. Je continue à prêcher. Garde ça pour toi. Jésus revient. Je continue à prêcher. Les amis, c'est pas les délinquants qui vont me faire perdre. Je proche l'évangile. Jésus revient, mes amis. Donc, tu comprends que là, tu viens le chercher. Mon ami, Belin n'appartient pas à une personne. Je prêche l'évangile. J'ai agressé personne. Non, je ferai ce que Dieu m'a dit de faire. Jésus revient, mes amis. Le roi d'Ora revient. Le Dieu Tout-Puissant revient. Hein? Oh Jésus de Nazareth, ils ont dit tuons-le avec la langue, frère. Hein? Personne, mes amis, tant que la mission que Jésus-Christ m'a confiée n'est pas finie, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai des merveilles de Jésus-Christ. Il ne pourra pas s'arrêter. Je raconterai les merveilles de Yahweh, frère. Minuit. Oh, frère. Minuit. Oh mes amis, Jésus-Christ m'a persuadé, je me suis laissé persuader. Mais il ne pourra pas s'arrêter. Il m'a saisi, il m'a vaincu. Je vais tous les soirs. Tous les soirs. Hein? Même si je, mes amis, je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai qu'au nom de Jésus-Christ. Mais il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui renferme les autres. Je me force de le contenir, frère. Mais je ne peux pas, je ne peux que dire la vérité. Je ne peux que prêcher l'évangile, car l'évangile n'est pas un délit. Car l'évangile n'est pas un délit, frère. L'évangile, il est là pour libérer les captifs, pour délivrer, frère, les captifs, frère. Je dirais, mes amis, comme Esaïe 61 nous dit, frère, le Seigneur, mes amis, éternel Jésus-Christ, va voir. Seigneur, pour libérer, mes amis, les captifs, frère. Oh, l'esprit, mes amis, du Seigneur éternel est sur moi, frère. Car Jésus-Christ, va voir, frère, pour mes amis apporter. La bonne nouvelle aux malheureux, pour apporter la bonne nouvelle, frère, aux frères et sœurs, frère, que Satan avait pris sous son emprise. Malheureusement, ils étaient dans le péché. Ils doivent entendre la vérité, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Il ne s'arrêtera pas. Il s'arrêtera tant que ils seront libérés au nom de Jésus-Christ. Ils seront délivrés, frère. Je prêche avec ma bouche. Je prêche l'évangile avec ma bouche. Tu seras enfermé. Jésus revient. Regardez la délinquance. Regardez la délinquance. Regardez. Jésus revient, le roi de roi revient. Jésus-Christ revient, mon ami. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie au roi de roi, mon ami. Jésus de Nazareth. La cigarette, c'est la fumée de l'enfer. La pornographie, l'adultère, c'est l'enfer. Non, moi je ne suis pas perdu. Si je, mon ami, j'ai l'assurance en Jésus-Christ, le ciel m'attend, mon ami. C'est l'évangile, bien aimé. L'évangile. Frère, oh, oh, oh.
Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, je comprends. Je connais, t'as peur de je quoi connais. Il me dit de. T'inquiète pas. T'inquiète pas, frère. Le Seigneur au contrôle. Pourquoi t'as peur? T'as peur de quoi? Tu sais de quoi? Jésus est où? T'as peur de quoi? T'inquiète pas. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ont peur pour lui. Mais Jésus le garde. C'est compliqué. Je ne te garde, frère, t'inquiète. Il te garde aussi, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. C'est ce que tu as à faire, hein. C'est fort ce que tu fais. C'est fort, sois encourageant. Voilà. N'aie pas peur, sois encouragé, frère. Allez, bonne soirée, hein. Merci à vous aussi. N'aie surtout pas peur. Merci. Seigneur avec toi, t'inquiète. Merci. Pas. Allez. Bonne soirée. Plus tard.